Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et nous sommes dans la suite de Breath of Fire. La dernière fois, petit épisode chiant qui a consisté basiquement à escalader une tour et faire un donjon chiant, mais voilà, on aime ça. Et on va continuer l'histoire parce que c'est ce qui est intéressant. Ah oui, aussi maintenant il fait jour ici. Mais d'abord, je voudrais retourner à Auria parce que dans le château... Ah, il faut que j'aille dormir aussi. À Auria, dans le château, il y a des portes à ouvrir. Et ça, c'est super intéressant. Oui, le destin. Le destin du monde. D'abord essayer de trouver une INN, la fameuse INN. Alors l'MDR, c'est vrai. MDR débarre, sauf que c'est vous que j'ai lui. Voilà. Il ne faut pas courir, évidemment. Moi, je voudrais en fait dormir. Voilà, hop, petit scred, petit passage. Voilà, incroyable, ils se font dans le décor. On ne s'y attendait pas du tout. Que je me souvienne des portes. Les portes, normalement, c'était en bas. Il y avait une... Ah, voilà, ici. Ici, c'était là. Exact, incroyable. Et normalement il y avait une porte, deux portes. Incroyable. Il y avait des coffres. Oui, je veux la clé. Bah, ok. Oh. Allô. Ah. Putain, de quête à la con. Vite, le roi. Vite. Il est où? Il est là. Il est là. Il est en haut. Il doit être en haut. Obligé. Sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Il est encore en haut. C'est chiant. Non, c'était pas le bon escalier. LOL débarre. Donc l'escalier, il est là. C'était toujours pas le bon escalier parce qu'il fallait aller en bas. C'était pas cet escalier. Je ne sais pas où est le roi. La joie dans mon cœur m'habite. Ah bah il était là. Connard de roi. J'utilise le miroir. Car ce miroir reflète les morts. Incroyable. Ah. Et maintenant, et d'accord. Ah d'accord. Ok. Waouh, la musique, elle a changé. C'est super. C'était tellement beau que je m'en fous. Bon, allez, vas-y. Cool. Attends, j'obtiens une herbe. Un bouclier, une herbe, et un snooner, je ne sais pas ce que c'est un snooner. Alors, bouclier inutile. Ah, ouh, un dard, ouh, le petit cat,
14 de dégâts en plus. Et le petit 4 de défense en plus. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oh, mais Karl qui prend un boost d'attaque et de défense, mais surtout d'attaque. Oh là là, c'était un donjon. Ah là là, vite, les ennemis vont t'attaquer, je pense. Ah là 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 là, c'était très à difficulté. Un snf. Oh, de la lumière. Ah là 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 là, c'est la troisième ou deuxième, je ne sais pas compter. La clé, elle glisse dans une sacoche. Et oh, il fait jour. Incroyable. Et là, il y a un trou dans le mur. Je suis à combien d'objets? Voyons. Une, alors, la clé E, ok. La clé L, la clé... Ok, j'en ai trois, donc je sais encore compter. Presque à la moitié du jeu, je rappelle qu'il y en faut 8 des clés. Bon, une petite sauvegarde, ce serait cool. Maintenant, enfin, j'aurais surtout de dormir. Je ne suis pas au max de mes statistiques, voyez-vous. Ah, la fille, elle s'est barrée. Eh ben, ils sont plus là. Eh ben, tant pis. Tu m'as pas vu, je suis un ninja. Salut, marin. Ah. Ah. Eh ben, tant pis. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'aimerais une INN. Déjà, on va sauvegarder. Ah, INN. On se repose, on sauvegarde. Voilà, on va faire comme ça. Et ben maintenant on va faire un boss. Ah, la joie de faire des boss. Salut. Bonjour, au revoir, non. Et ben nique-toi. Nique-toi bien. Moi, je vais utiliser le dragon de flamme. Toi, tu vas faire feu, toi, tu vas tester ton coutal. Le coutal ultra puissant. Petit 28, oh, pas mal. Le tonnerre sur mon dragon, évidemment. Un petit chevalier nul, par contre. Je tiens à le dire. Attaque sur le chevalier, toi tu vas faire un sort augmenter l'attaque sur Karn. Toi tu vas faire un tonnerre sur l'archer et tu vas attaquer l'archer. Je rappelle que c'est normal que ça rame du cul le jeu. Oh, petit 38 sur Beau. Petit décès. Et les flammes sur 115. Easy. Tellement easy. On va augmenter l'attaque. Toi tu vas faire flamme. Et Karn il va attaquer.
Je me rends compte que c'est pas super agréable. Et Bou qui se prend, mais la foudre. Littéralement. Waouh, c'était très la difficulté. Level up. Incroyable. Renouve. Oh, renouveau. Je ne sais pas. Force de se trahir. Oui, il est beau ton drapeau. Il est tout. Ouais. Qu'est-ce que. Oui. Le bateau. Parlons-en. Un lingot d'or qui vaut 65 000. Mais heureusement, j'ai ce qu'il faut. Alors, que je me souvienne où est ce lingot d'or. C'est toi qui l'as. Je vais t'acheter un lingot d'or à 65 millions. Voilà. Qu'est-ce que je veux te dire? Vitamine. Regarde le nom. J'adore cet item. Voilà, bah c'était tout. On va quand même sauvegarder, se reposer. Au cas où. On ne sait jamais. Alors écoutez. Et je reviendrai te voir si je veux dormir. Ouais, histoire passionnante, n'est-ce pas? Voilà, j'ai son lingot d'or. Allez, plus vite. Oui, j'ai pas le choix de toute façon. Ouais, et maintenant je fais quoi? Maintenant je sais pas quoi faire. Vite, la carte. La carte. Je suis où? Je suis là. D'accord. Bon. Eh ben très bien. Oh, il y a un truc. Attendez, alors c'est qui déjà? Waouh. Non, non, pas toi. Allô? Ah oui, alors Beau qui attaque avec... Attention, Beau tient une flèche. Oh là 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 là. Incroyable. Il tire. Bon. Oh, du strum nul. Suite. Je ne sais pas où aller en fait. Ah bah, il y a une... Il y avait une... Je suis déjà allé dans cette grotte. Aucune... idée. Mais alors, aucune foutre idée. À moins qu'il y avait un chemin que je peux pas prendre. Je sais pas. Tout à l'heure, fais voir cette poudre. La poudre qui est tout en bas, je pense. Fait sauter des rochers. Ouais. Et en effet, c'était des explosifs. Incroyable, mais vrai. Il y a une suite dans le jeu. Maintenant, je sais pas où je suis.
où je suis. Une maison. Oui. Elle est vide. Encore mieux. C'est trop bien. Et maintenant, je fais quoi? Ah mon dieu, un script. Ah mon dieu, un combat scripté. Des lanciers. Ah, des fantassins. Attention. Oh, puis du gros fantassin, hein. Du gros fantassin nul. En plus. Gros combat. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Et là, il y a quoi? Il y a rien. Oh, il est beau. Oh, le beau bataille. Salut. Qui va là? Nous venons acheter le bataille. Voilà. C'est tout. Faites comme si nous n'étions pas là. Nous examinons l'état. Gros combat toujours. Par contre, gros monstre avec beaucoup d'XP. Je vais prendre une petite herbe. Attends, je vais... Très très bien, un battle avec beaucoup de bullettes. Ah mon dieu. Ah mon dieu, ce sont des fantassins. Bon bah fantassins, on sait que en un tour c'est fini, voilà, parce que c'est une unité qui doit être très faible dans leur corps d'armée des dragons noirs. Sans doute. Même si elles font 24 de dégâts. Petit critique à 90, c'est pas mal, on aime. Alors par contre, les fantassins sont maigres, mais alors les archers, ils sont gros. C'est un peu raciste et réducteur. Enfin, surtout réducteur. Mais alors Beau, il se prend les dégâts de sa vie. Au bout de sa vie, Beau. Beau qui n'en peut plus. Le niveau 18 pour ma gueule. Incroyable. Ah là là, c'est très la difficulté. Et là, il y a quoi? Il y a un boss? Non, il y a une échelle. Ah ah, je t'ai vu le boss. Je te vois. Je l'ai vu. Il n'est pas discret. Ah mon dieu, cette crâne se forme en craquant, en poulpe, en poulpe. Pardon, c'est drôle. En poulpe. Chers amis, vous qui êtes fans de séries divergentes sur les certains personnages de l'anime japonais, ceci est une dédicace pour vous. Par contre, un poulpe avec une bouche sur le haut. Ah, je ne connaissais pas. Alors, petit tonnerre à 120, et là, un petit tonnerre à 195. Écoute, 195. C'est quoi renouveau d'ailleurs? Renouveau. Soit une arto. Oh, 10 points de magie. Ça va. Je trouve que 10 points de magie quand même, c'est pas super, c'est pas énorme. Par contre, le 108 de dégâts, on va pas se cacher que c'est un peu beaucoup. Poulpe est en colère. Oui. T'as vu ce que t'as fait à mon beau? Beau, il va faire une étincelle et Karn, il va rien faire. Petit 36 nul, petit 36 groupé avec un 72,
Non mais écoute, oui. Écoute, décède, voilà. Cardinalement, 7800 XP. Parfait, level up pour Beau. Incroyable, tout le monde a level up dans cette vidéo. C'est super. Boum. Waouh. Ce boom était subtil. Une herbe, parfait. Un gland, encore mieux. Un autre gland, mais oui. Une herbe. Ensuite, je fais quoi? Ensuite, je la sens pas, je la sens tellement pas. Excusez-moi de pas la sentir, mais quand je la sens pas, en général, c'est que j'ai des raisons. C'est à la... C'est à... C'est... Oui. Alors... Oui. Alors... Oui. Est-ce que... Oui. Non, bon, je cherche rien. Ça se trouve, c'était une feinte. Une feinte, petit taquet droite-gauche. Bon, bah, écoute... Il y a un bateau, voilà, avec énormément de boulets à canon. Est-ce que... Oui. Et après, bon, bah, je sais pas. Bon bah écoute, peut-être que si je reviens à Auria... Comment ça, utilisation impossible ici? Pardon, il faut que je fasse le sens inverse. Donc je repasse par la grotte. La grotte, oui! J'aime ça. J'aime me faire du mal et perdre du temps, alors qu'il aurait simplement fallu... mettre une petite zone de world map entre les deux, même deux cases, même une case. Tu mets une case, TP, et problème réglé. Et là, non, on te met dans une zone, et après on te sort dans une autre zone. Comme ça, la world map dans ton cul. Ah ouais, ça c'est chiant. Ah, c'est très chiant ça. Allez, paf, une mouche. Paf, la deuxième mouche. Et paf, la troisième. Oh, et tiens, tu te sors à 166 sur la mouche. La mouche, elle est éclatée. Il y a tout qui sort. Elle est morte. Mais elle est tellement morte que même si tu essaies de le faire de bouche à bouche, elle décède. Et là encore, je vais me barrer. Je peux pas me barrer. Chance de se barrer sur les mouches, à peu près zéro. Paf, 157. Je sais pas à quoi ça correspond le petit bruit de sonar un peu nul, je ne sais pas à quoi il correspond. Quand même me reposer. Bon, là c'est bon, je peux prendre le bateau. Incroyable, le bateau. Petit bataille.
Oh mon dieu, il a glitché. Il y a un mec, il a glitché. Mais tu es qui? Ah oui, c'est Gobi. Oh là là, la grosse blague, plus on est de fou. Moi, il y a de rire. Grosse blague nulle de Nina. Oui, oui, c'est Nina. Les interventions IRL, je vous l'ai dit, je le répète à chaque fois que je me fais entendre, mais ceci est une chaîne de qualité avec 100% de réalisme. Incroyable petit bateau s'en va en mer. Magnifique bateau sur le sprite. Ah mon dieu! Oh putain, créneau. Incroyable swap color de bataille. Et nous sommes attaqués. Sinon, c'est pas drôle. Problème stratégique. Et bien sûr. T'as cru? Et pendant ce temps, on se fait attaquer. Enfin, il nous accoste. C'est pas vrai. C'est lui qui a cherché. Cliché à peine. Yeah. Ouais. Ah non, vous êtes trois. Bon alors. Comment qu'on va procéder? Eh ben, le fantassin en premier. Oh mon dieu, un critique. Ah oui. Petite flèche sur carne 9, petite flèche sur bois 30, ce qui n'est pas logique. Non, on va pas utiliser ça, on va continuer les... Le tac. Sur tous les ennemis du monde. Et puis avant la fin du tour, je régène tout le monde. Déjà, lui, il meurt. Soit par une flèche, soit par un coup de... De dague extrêmement bien lancé. Ça rame du cul. Ça me détruit ses oreilles, je vous le confirme. Ah bon bah en fait il va mourir à ce tour. J'ai mal fait tuer les points de vie. Pour un critique à 64. Voilà. 2107. Easy. Moi je suis complètement d'accord. C'est la fuite. Mais non, mais je me soigne avant. S'il te plaît. Allô? Non. Très bien. Ah mon dieu, il nous a rattrapé avec encore plus de... Ah d'accord. Ok, ça, ça boucle. Et si... Oui! Oui! Très bien. Et je suis tout à fait d'accord. Peuple dragon neige, un sort de soin. Au tir à l'arc. Et... J'ai oublié de claquer au moins une forme de draconique. Alors le triple archer, c'est le meilleur truc qui peut m'arriver dans ma vie. Alors tous sur un. La barre de vie qui descend tellement pas qu'il prend son temps. On lui critique à 200 one shot. Par contre, ça rapporte de XP. C'est cool l'XP. No beat. Et là, c'est le combat de boss parce que y a rien en dessous. Ah là là, nous sommes piégés.
Ah, oh, puis il est avec deux autres gars. Ça y est, c'est le boss fight? Non, c'est le... Bon, c'est deux clans, pas archers. Ça va. C'est déjà mieux que les trois que j'avais tout à l'heure. Attends, il y a 5 minutes. Je sais. Alors par contre, après, il va falloir faire un tour de recover de vie. De soins. Tous utiliser une herbe sur soi. J'ai dit sur soi. Donc un soin. Voilà. Et là on attaque. Normalement il décède. Rien qu'avec ce critique il décède. Ce double critique. Ah, même pas de triple critique. Ah, je suis déçu. Choqué. Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ah mon dieu, elle se forme. En poulpe. En octo. Y a-t-il une différence? Force sur moi qui se transforme en dragon tonnerre. Blue. Et petit 94. Et oui. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Zombie. Ange du moins sur ça. Mais oui, c'est pour le one shot ça. Ouais, quoique tu ferais plus de dégâts en attaquant. Donc quoi, faut que j'augmente ton attaque. Ah mon dieu, à 48 quand même. Oh, ça ne rigole zéro. 195. Easy. Augmente critique, augmente agilité. Mais tout à fait. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Ah mais tu peux pas savoir à quel point je suis complètement d'accord avec ce 92 sorti du cul. Parce qu'il est complètement sorti de nulle part ce 92. Le 104 c'est pareil. Il y a des attaques, elles sortent de... je sais pas où. Faut qu'on m'explique d'où ça sort. Là, tu peux mourir sur une attaque. Petit 20... Oh, petit 24 sur 4. Impeccable. Octopleur. Ah là là. Que je suis triste pour toi. Par contre, Nina, soigne-toi. C'est un conseil vital. C'est totalement vital pour toi, ça sent l'attaque de zone. Ah, petit, ah non, petite attaque nulle. Petit phase finale nul. Nana 18, ni, nana, oui, Nina 18. Génial, ça y est, c'est bon. Ah là là. Le bateau va sauter. Vite, il faut sauter à la mer. Et boum. Alors attention. Jean-Michel effets spéciaux. Oh, mon dieu, je parle, attention. J'avais oublié qu'on parlait. Qu'est-ce que c'était là? Voilà, le bateau a disparu. Les bateaux ont disparu parce qu'ils sont explosés. Et ce...
Et je vais... Oui. Allô? Que se passe? Oui. Allô? Bonjour. Oui. Ouais. Ok. Allô? Très bien. Qu'est-ce que oui? Oui. Alors, je suis un poisson. Je suis un poisson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tiens, bah, équipe de ce qui ne sert à rien. Tiens, voilà. Bah écoutez, c'est très bien. Plus en plus, ça dure un petit moment. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là parce que ça a l'air d'être chiant et qu'il s'est passé beaucoup de choses. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, tout ce qui est like, commentaire, de lâcher un like, de commenter, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, et plein de choses, et de me suivre sur Twitter si vous voulez. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine sur Breath of Fire.